Salut mes bubules et bienvenue dans ma bulle de bonheur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, grâce à mon vieux grimoire, comment réaliser avec votre enfant un spray anti-mauvais rêve pour que vos loulous passent de meilleures nuits et indirectement pour que vos nuits soient meilleures également. Et donc qu'au final, tout le monde soit heureux et plein de bonheur. C'est très simple. Pour réaliser ce spray anti-mauvais rêve, vous allez avoir besoin d'un petit pulvérisateur vide et à usage unique, de l'eau, du jus de citron, de papier ou d'étiquette, du papier collant. Et pour finir, une croyance sur la qualité de ce produit chez l'adulte est indispensable. Donc, on y croit à fond. C'est parti. Pour 100 ml d'eau, versez une goutte de jus de citron. Donc, si vous voulez faire 300 ml de spray anti-mauvais rêve, vous allez devoir ajouter 3 gouttes de jus de citron à vos 300 ml d'eau. Demandez ensuite à votre enfant de dessiner, représenter son mauvais rêve sur l'étiquette ou le papier prévu à cet effet. Après cela, demandez-lui de barrer, de faire une croix sur la représentation de son mauvais rêve, en lui expliquant que c'est pour qu'il ne revienne plus. Et voilà, votre produit est déjà terminé. Il ne vous reste plus qu'à le mettre en place chaque soir avant d'aller dormir. Un spray par soir. Il ne faut pas en abuser. Il fera partie des petits rituels du soir que vous avez déjà mis en place avec votre enfant. Comme chaque produit, il lui faut un petit temps d'adaptation. Mais si vous y croyez à fond, cela peut vraiment fonctionner. Chez moi, cela m'a aidée. J'espère qu'il en sera de même pour vous, car c'est cela le plus important. Et si jamais vous voulez contribuer à mon propre bonheur, sachez que quelques pouces bleus, des abos, et des commentaires auxquels je me ferai un plaisir d'y répondre sont les bienvenus. Merci et ciao ciao mes bubules !